chose, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie. Bonjour et bienvenue pour votre cinquième épisode du Petit Émir. La semaine dernière, nous étions à l'IME de la Montagne pour un casting très percutant en compagnie d'Hélène, la musicothérapeute. Nous avions ainsi découvert les talents de Marco, David, Nicolas et Cédric. Cette semaine, nous nous rendons au centre de la ressource où Marika va revoir sur scène les élèves des épisodes 1 et 3 lors d'un spectacle donné devant du public. Ses premiers choix vont-ils être confortés? Va-t-elle avoir des surprises? Pour le savoir, partons tout de suite en coulisses où les élèves se préparent avant leur entrée en scène. Le stress se fait ressentir en coulisses, mais nos comédiens sont enfin prêts à entrer en scène et c'est Tankidine et son ballon qui se jettent à l'eau en premier. Après ce one-man show, c'est maintenant au tour de la troupe de la ressource avec un spectacle de mime. Présent, place aux élèves d'Adrien Cerneau et leur spectacle de mime avec marionnettes et ballons. Marika a désormais une idée plus précise du potentiel de chaque élève en situation de spectacle. Donc j'ai vu aussi Adeline et Zidane qui ont vraiment une présence sur scène et de les voir devant un public me rassure par rapport au casting. Et je pense qu'on va les voir après en individuel. Voilà.
La semaine prochaine, nous retrouverons Marika lors de ses premières décisions. Nous la verrons affiner ses choix par une série d'entretiens individuels avec les jeunes comédiens. Seront-ils suffisamment motivés pour participer au spectacle du Petit Émir ? Vous découvrirez leurs ressentis dans le prochain épisode. À très bientôt !